www.casarema.fr. Premièrement, je dirais ceci, les 10 commandements de la Bible, et puis ça marque et pas à Moïse. Mes commandements à Liboso, ce qui est dans Exode 17, je crois, et comme je connais l'obi, je suis éternel, je suis un homme. Je suis un homme, na yo, na esprit, na yo, pe na âme, na yo mobimba. Wa, ni est parfait, on prend. Des fois, je peux écouter dans la radio, je peux aussi écouter dans la radio, je peux aussi écouter dans la radio. Mais, la mise en Zambé, ce qui s'est arrêté, c'est déjà un péché. Nouvel album, Ma Prière. De la sœur Inès Nzembani. Bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion, Punda. Esengisa koko mesayo. Ya. Chers fidèles et téléspectateurs de la www.casarema.fr, bonjour, bienvenue dans notre tranche magazine Que disent les Quinois. Et c'est avec plaisir encore de vous rencontrer aujourd'hui dans notre tranche magazine. Magazine Abino et la Abino toujours ba réponse na ba question et les Kela Kabino. Et toutefois là, on vous signale déjà que Casarema na Chombo déjà disponible. Donc tu n'as pas le temps d'aller au cyber comme avant. Juste avoir un téléphone Android, ça te permet à télécharger l'application Casarema. Et là, vous aurez la TV Casarema, Radio Casarema et YouTube pour votre vidéo. Et aujourd'hui, on a un sujet à partager avec vous. Sujet Nabiso Ezali, les 10 commandements. Les 10 commandements, et puis ça m'a qu'il n'y a pas de et puis ça m'a qu'il n'y a pas de nani. Et donc, on va découvrir en haut ensemble avec vous, micro baladaire avec Cédric Ngongo. Suivez. Et puis ça m'a dit que Moïse est un homme. Et ça m'a dit que je suis un homme. Et que tout ça, nous sommes un homme à l'objet. Le commandement que je suis un homme, c'est le 10e commandement. Je suis un homme qui est un homme. Du commandement, et puis ça m'a dit que Jésus-Christ est un homme qui a été un homme qui a été un homme. Et là, c'est très important. Si on a la bolingote, on a la paix, on respecte 10 commandements. Et là, on a la bosso pour respecter 10 commandements de faux en amour. Donc, là, on a la ebi en ouan. On a la salara, on a la ebi à la bosso, on a la banane, on a papa, on a la maman, on a la mi balé, on a la ebi pour jouer le quoi moutouté. Les 10 commandements ne sont pas Moïse, nous avons bien appelé ça Moïse. Parce que tant que le peuple est en train de se faire, nous avons dit que le peuple est sans Mibeko, ils ont bien été en train de se faire les 10 commandements. Quelques commandements sont en train de se faire, mais ils ont dit qu'ils ont dit. Nous avons dit que le peuple est en train de moi je cite souvent parce que je suis catholique comme la kisanga marque wana yango nga nazotanga selon biso parce que lobi ke kumisanga nzambe lokola nzambe wayo okozala nzambe mususu liboso na yo te. Frère Moïse, ne tuez pas, ne volez pas,
Et encore... respecter tes parents hein, pour vivre longtemps la vie, c'est quoi. C'est par Moïse. Par exemple, ne tuez point. Et puis, aimez-vous comme vous aimez les autres comme vous aimez. Et puis, ne faut pas mentir, il faut pas voler. Premièrement, je dirais ceci, les 10 commandements de la Bible, il paye sa maca et paye à Moïse. C'était juste parce que le peuple d'Israël ne marchait pas bien devant les seigneurs. Le Seigneur voulait juste toutefois conscientiser ses peuples à remarcher encore très bien devant lui. Voilà pourquoi Abinga et Moïse dans la montagne, après ça qui est 10 commandements. Bon. Autant vraiment c'est un peu difficile, mais je me réplique, Naloba, ne tuez pas. Il faut pas prendre hein, quelque chose qui ne t'appartient pas dans d'autrui. Et la plus grande, c'est l'amour du prochain. Aimez-nous les uns les autres. Non, ça je ne sais pas. Vraiment, je pouvais savoir plusieurs des commandements, mais les classer vraiment selon la manière dont Dieu l'a décrit, je ne pourrais pas. Bon, 10 commandements va passer qui est pour Moïse, pour na biso tolanda mibeko. Bon, pour na mibeko, ça mibeko, batia qui wana koi baté ko bomaté. Kolinga moi ça moningaté. Banga nzambe. Bon, yebi na mokili mambe bele salamaka. D'ailleurs, batindela biso 10 commandements tolanda nzela ya solo. Bon, ba pesa qui en pour biso to bato mokili. Tout ça bata mokili yo ebikaka masumu ze bele to sumu kaka yango na nzamba tala kite fona tsinde la bana ngai mo di komanima yango tsinda kyo ngasko na sumu ka mingi yo ebika na so miss deje moni boy ya deja ko sumu ka bien sûr pe sama pa Moïse parce qu'elle a inspiré non elle a inspiré na voix en kolo. Quand il m'a dit que je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme. On a dit que je suis un homme. 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 Je suis un Ogogumba mela yangote tope ofuka mela yangote tope lilingi na eloko na tina ya moja isina ote na yote to na mwana ya moja isina ote. Alors c'est un peu ça hein? Bon les sumu onga sala raté zara ki kubomba moto wa ni le parfait on prend des fois pe msupe ekuta na raké olingi pe mwasi ya mninga oyeba kite kazaki mwasi na ye mais na miso nzambe ski se raté c'est déjà un péché. Peut-être on doit demander la pardon, mais si tu as déjà commis un péché. Bon, bah, pense qu'il y a un bon. Bon, si tu as bien, bah, pense qu'il y a un bon. N'a dit comment il m'a dit, le baga, le d'or, le donc, on a commencé à la tête trop loin. Bateau baroy, bon, voilà. Les sommes, on a la salle ratée. Oui, calling à moi, ça me n'a rolling à thé. Oui, Koliba. Au salama, bé, Koboma, ko, ça va couler, n'a rien au salam au thé. Et ça va ma bé. Bon, question est ça simple, mais ma casse, hein? Ma casse, parce que. On est faux côté là dans ma commis. En principe, homme de Dieu ne au bazar ministère. Il y a apôtre, il y a docteur, il y a pasteur, évangéliste, et que sais-je encore, prophète. Bah on est faux pas répondre à ma question. Mais gars simple mon dimi. Hein, na connaissance mouké à Bible na yebi. Tamusu noko beta beta munoko. Oza komon. Mais 10 commandements.
nzambe apesa kango na maboko ya Moïse. Tango bango bazalaki na esclavage na Égypte, bazalaki 430 ans, nzambe asia ezaki profession nzambe akokisaki oyo apesaki pa ya Abraham ke ba génération na yo sima ekokende na esclavage na Égypte pe na kobimisa bango na bakozala 400 ans na kobimisa bango na makasi na ngai. Alors tant ba traversaki mer rouge, il a fallu nzambe ebisaki bango ke tant ba kobima bakokende kogumba mela nzambe na mont Sinaï ne place bakokende kuna. Alors tant ba traversaki, Moïse a mataki na ngomba pote akuta na nzambe, nzambe alobela na more a mata akuta na naye pote apesa ye ba di commandement wana, parce que nzambe alobaki ke bana na ye bana Israel bakokaki ko vivre te lolenge ba da bamboko bango ba vandaki na ba pagano. Tant pe bakokende na terre promise, nzela nzela nzamba linga kite bazala ko vivre nenge ba ba peuple mususu oyo bango bakokuta kuna bazai ko vivre. Ye alingaki ba vivre selon ba commandement na ba precepte na ye, yango amataki na likolo wana po takutaki bango ba bimaki apesa bango a travers Moïse ba precepte wana na ba commandement po bakoka ko vivre selon yango. Po nzambe alobaki oyo ako vivre selon ya ako tosa yango ako vivre selon yango. Ozomo donc commandement ba di ba commandement ba precepte nzambe epesa melaki bana nzambe po te ba vivre lolenge nzambe asepelaka nenge nzambe alingaki bango bazala yango epesa melaki bango. Bodangaki na se referer na ndenge Jésus-Christ a résumaki yango na na mibale, mais commandement liboso soki na Exode 17 je crois et koma mikune lobi ngai nazali éternel nzambe na yo okolinga nzambe na yo na makasi na yo na esprit na yo pe na ama na yo mobimba. Bon, les 10 commandements, normalement, ils ne peuvent pas moi en Zambé. Ils ne sont pas en Zambé. Voilà. Bon, comme on est Jésus-Christ, hein, il a dit commandement et pas Moïse. Bon, pour que tu passes à l'angle, bon, tu passes à qui? Na ma bémine. Eh, il y a mon abonné, on a dit commandement pour que tu passes à l'angle. Bon, quelques commandements, on a dit bien qu'en Zambé, on a dit qu'on 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 a dit. Bon, avant commandement, nous sommes tout d'abord dans tout ça, que nous sommes tous les deux, et nous sommes tous les deux, que nous sommes tous les deux, donc nous sommes tous les deux. Les 10 commandements sont en train de Moïse, et ils sont en train de se faire en Israël, et ils sont en train de se faire en Égypte, pour que nous sommes en train de se faire en Zambie. Ndé ngwana Moïse azalaki lokola tata na bango malobezo te pa nzambe zo koya na Moïse zo permettre Moïse vraiment ameka kotambusa bango na mibeko mibeko na so ezalaki te bana Israël vraiment balinga bazala lokola ba brebi ba bungi kat na zamba balinga koyeba te lolenge nini bakokaki vraiment kotambola. Bon, le dit comme nima nzamba pesa ki Moïse ezalaki vraiment koyeba te koboma te to sa papa na mama po mela vraiment na mokili. Kozama sa moninga te kolula pe loka mutute kolula pe mwasi ya kamaradi na ote kolula pe mwasi par exemple travailleur ya kamaradi na kolula ete kolula pe loka moninga te vraiment so moni mutalati kitoko vraiment se pe la kumisa nzambe polobi pe nzambe pa ko pambola lolenga pambola kiye. Bon, na ba commandement vraiment na sale la te za vraiment kolula te on a bien salé la rate, on a goli nga mwasi ya camarade nga te na goli nga pété travailleur ya camarade nga na goli nga été vraiment na goli nga papa nga na mama nga ndé na milingaka na goli nga muninga nga vraiment ndé na mizwaka pour lokola na zo linga e nzambe pa goli nga ko pambolanga na futur nga za malamu. Merci pour cette question. Donc nous comprenons très bien ce que la Bible dit. Et quand on parle de 10 commandements, et on voit directement le livre de Exode 20, où Dieu a donné à Moïse les commandements, pratiquement la loi. Mais si vous remontez dans le verset 19, vous allez comprendre que Dieu n'avait pas envie de donner
de donner cette loi-là. Dans le verset 19, je peux lire le chapitre 19, pardon. Chapitre 19, déjà à partir du verset 14, Dieu est en train de dire, vous avez vu la manière dont je vous ai sorti de l'Égypte, la manière dont ma main a agi puissamment au milieu de vous. Et dit, je vous ai porté comme dans les ailes de l'aigle. Et Dieu voulait simplement conclure une alliance. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Il voulait sceller l'alliance avec Abraham. Maintenant, le peuple d'Israël, au lieu de marcher avec Dieu dans ce que Dieu voulait, eux ont choisi la loi. Ils ont dit, nous ferons ce que tu nous diras de faire. Donc, il dit, c'est comme pour dire à Dieu, Seigneur, dis-nous des choses que nous devons faire. Et pourtant, Dieu savait que l'homme n'allait pas accomplir la loi. Parce qu'il y a la loi, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il suffit simplement d'effreindre une seule loi. Toute la loi tombe. Et les 10 commandements, c'est comme ça. Il dit, tu n'aimeras pas, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée dans le chapitre 20. Là, maintenant, Dieu a commencé à étaler. En dehors de 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, il y a ce qu'on appelle des préceptes. Si vous allez dans Lévitique, vous allez voir, il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup que l'homme ne peut pas accomplir. Dieu a donné la loi, pour les enfants d'Israël, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. La loi que Dieu a donnée était un sceau de l'ancienne alliance. Mais maintenant pour nous, je peux l'affirmer que la loi qui a été donnée à Moïse ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas, nous, de la nouvelle alliance. Parce que nous faisons partie d'une nouvelle alliance. Là, c'était l'ancienne alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël. Nous, de cette génération, nous sommes de la nouvelle alliance, l'alliance scellée par le sang de Jésus, quand Jésus-Christ est allé à la croix. La Bible dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, comme l'homme ne pouvait pas accomplir toute la loi, Dieu, dans sa prédestination, dans sa préscience, il a préparé lui-même Dieu. Il a pris la forme humaine pour accomplir la loi, parce que l'homme ne pouvait pas accomplir la loi. Il accomplit la loi pour nous, afin que nous recevions la justification au moyen de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Donc, les 10 commandements, ça sera choquant, ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne maintenant, c'est la foi en Jésus-Christ, point barre. Nous sommes justifiés par la foi au moyen, par la grâce au moyen de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Les 10 commandements n'étaient que l'ombre de choses. Vous voyez, quand on parle de l'ombre, ce n'est pas la copie originale. L'ombre, c'est la photocopie. Maintenant, quand le véritable vient, quand il est venu, lui, il accomplit la loi. Nous devons nous attacher, nous, de cette alliance, de cette génération, nous devons beaucoup plus nous attacher à Jésus-Christ, parce qu'aucune personne n'accomplira toute la loi que Dieu a donnée à Moïse. Aucune ici sur terre, moto mokote akolbake abetitolo ngai natambulaka selon 10 commandements nyonso kobanda ibandela tina suka. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est venu, j'aime ce passage dans Matthieu 5, il a même amplifié la loi. Il dit, il est écrit, il est dit dans la loi de Moïse, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Il dit, mais moi je vous dis, si seulement tu regardes. Non, il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si simplement tu regardes une femme, tu commets l'adultère. Donc, c'est-à-dire, Jésus a élevé même la barre haut pour dire, personne ne dira qu'il accomplira toute la loi de Moïse. Ça, ce n'était que la loi a été donnée aux enfants d'Israël pour nous conduire vers Christ, sachant que nous ne pouvons pas accomplir toute la loi. Et la loi était là pour nous condamner. C'était une condamnation parce que personne ne pouvait accomplir.
Et quand nous sommes condamnés à la mort, nous sommes condamnés. C'est pour cela que Jésus est venu, il a pris la place de l'homme pour que lui soit condamné à notre place à cause de la loi. Maintenant, nous ne sommes plus condamnés. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a condamnation lorsqu'on enfreint la loi. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'a pas... ceux qui ont observé loi n'y ont pas condamné. Donc vous voyez, il y a la loi, il y a la condamnation. Il y a la loi de Moïse, à côté de la loi, il y a la condamnation. Toujours à côté de la loi, il y a la condamnation. Maintenant, en Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ, il y a la grâce. La grâce, c'est la faveur. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité, oui, tu n'as pas accompli toute la loi, oui, tu n'as pas fait tout ce que Dieu a dit à Moïse, mais Jésus, par la foi en Jésus, Jésus t'acquitte parce que lui, il a pris notre place. Il a été condamné à notre place. Donc, en conclusion, la loi a été donnée à Moïse pour nous conduire vers Christ qui est la grâce. Et voilà, vous avez suivi des avis concernant notre sujet d'aujourd'hui. C'était là les 10 commandements de Moïse. Et on a suivi de Jean Oyo Balobi, Oyo Bango Bayebi concernant ces lois. Koyibate, Kobomate, Linganzambe Layondengo Milingaka, Kolule Loka Moningate, ne tuez pas, ne volez pas, Nyonsoane Zalaki, Oyo Bandekonabiso Balobaki. C'était là la loi et Pesamake pa à Moïse pour le peuple. Israël, Babungate Bazala, toujours en marche avec Jésus-Christ. C'est par ici que nous bouclons notre tranche magazine d'aujourd'hui. Et je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné. Là, je vois Cédric Ngongo, le Bokwanzambe, Babie sera Simbi Montage et Rataraté. Je vois David Kukwila et les autres au niveau de l'équipe technique. Et je dis un grand merci à notre PDG Blaise Manzambi, ainsi qu'à sa femme, Maman Liz Manzambi, et sans oublier la DG Nanette Nzongo, Maman Bissonioso, Simbi Bisso, Anakin. Je dis merci à mon papa Briali Chilumba et à la maman Marthe. Et c'était là votre humble servante Yolande Mavakala. Si vous voulez me joindre, joignez-moi sur mon numéro 00243-081-298-99-18. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Nouvel album Ville Ya Refuge avec Pierrot Mbia Blessing qui a pour titre Ville Ya Refuge. Ezali lié ya bopemi yo motonyo so osundolama obuakama yo kaloyembo okozwa consolation et ba loyembo mosusu ezali lokola quartier roi azalité Medley Nzambenanga Lolendote Enfant produit Obongi na lokou Natatoli pour t'adorer ton rédempteur. Yoya no la kaba ela mi tunae Yozami so ya bako fimi so Okonzi na bomoi Zame nangai Contactez le 00 074 38 40 46 10 00 44 0 74 38 46 10 et encore 44 0 39 30 86 57 09 Et sous la main, la commission, la soirée, la commission, 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 la